Et nous sommes de retour. Avec une jolie tempête. Mais maintenant on sait où nous sommes. Donc la dernière fois on a fait un peu le tour du canyon d'essence. C'est pas super bien passé. Enfin... Non, ça s'est passé ok. C'est juste qu'on s'est un peu perdu en fait. Avec les détours et tout ça. Donc ouais, c'est un peu le problème. Par contre on a, je crois, une tempête encore qui fait rage. Ça, c'est un problème, ça. On va ressortir, on va aller voir. Mais je crois qu'il y a encore la tempête. Bon, en tout cas, maintenant, on sait où on est. On est donc à l'entrée, à une des deux entrées, en fait. Ouais, ouais. À une des deux entrées du canyon des cendres. Donc, ouais, on a tourné un peu en rond, en fait. On a tout simplement tourné un peu en rond. Bon, ça arrive, c'est pas très grave. Donc ouais. On va se balader un peu dans la grotte, on va voir s'il y a des choses. Et après, on va devoir faire demi-tour, on va devoir attendre que la tempête s'arrête en fait, tout simplement. C'est un peu relou, mais bon, c'est comme ça. La musique, elle est toujours très forte dans les grottes, je trouve. Je pense pas qu'il y ait grand chose à part du charbon à récupérer là-dedans. Mais ouais, si j'avais su qu'on était à l'autre endroit, honnêtement, j'aurais joué différemment. Je pensais qu'en fait qu'on était ici, mais bon. Du coup, j'ai longé le côté gauche, mais ça s'est mal goupillé. Mais ouais, c'est pas trop grave. Je veux juste voir s'il n'y a pas des cadavres et tout ça. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose en fait ici. Ça m'embête un peu. Donc on fait ça pour rien. Ça doit être le chemin vers l'entrée. Ouais, ça doit être pour revenir, ouais. Non, on va pas faire tout le chemin. Par contre, on va aller sur la droite. Le problème aussi, c'est qu'il va faire nuit. On n'a pas avancé. On a reculé techniquement en plus. Donc ouais, on peut pas trop se déplacer dans un blizzard non plus. On va aller voir de l'autre côté. Enfin, je sais pas si on peut passer par là. Oui, de ce côté là. Ça, c'est d'où on vient. Ça m'embête. Honnêtement, ça m'embête. Parce qu'on était vraiment bien parti. Donc, on a un peu perdu notre temps. Bon, pas... Tant qu'on n'est pas mort, on n'est pas... Enfin, voilà, quoi. Il n'y a pas... Y a rien de grave, quoi. Et rien de grave n'est arrivé, mais bon. Ça aurait pu mieux se passer. Ok, on fait voir un peu. On a 6, on a une peau. 43. On peut prendre tout ça. Ça nous fait passer le temps un peu. On a récupéré une conserve, on a récupéré ça. 600, très très bien. 600 pour 0,25, c'est très très bien. Et ça à faire cuire. Pas mal ça, pas mal ça. 600 pour 0,25. Ouais. Mouais, mouais, mouais.
Très bien. Je sais pas si on est censé entendre la tempête de là. Mais j'ai l'impression que ça s'est un peu calmé. Donc on va y aller. Alors maintenant je suis en train de me dire, est-ce que on devrait pas aller s'installer en fait au centre? Il y a encore un feu ici. Genre, est-ce qu'on devrait pas s'installer maintenant au lieu d'aller d'essayer de rusher la mine? Et après on ira à la mine plus tard. Peut-être. On a encore des rations, je suis d'accord, mais bon. Parce que là, on fait que se balader. Après, je dirais pas non pour aller à la mine directement. Faudrait qu'il fasse beau, honnêtement. Parce que je sais qu'on a plusieurs cordes à prendre. Et ça, c'est un peu le problème. C'est plusieurs cordes à prendre. Par contre, je crois m'être perdu. Je faisais pas trop attention. Non, c'est bon. Non, on a encore la tempête. On a encore la tempête. Après, ça me dérange pas de me balader la nuit, hein. Pas de me balader la nuit, c'est juste que on va être un peu décalé quoi. Alors les calories. Ouais. On va voir un peu ça. Parce que là en fait on perd notre temps. Perdre du temps dans ici c'est pas bien. Perdre du temps ça veut dire que perte de ressources. Ça c'est emmerdant ça. C'est ça qui ça m'embête ça. J'ai bien pris le sac de couchage. Ok, ça s'est un peu calmé. C'est pas trop ça. Alors, du coup... je vais essayer de repasser par là. Ah mais j'ai tout le charbon sur moi, j'avais oublié. C'est pas grave. Par contre on pue un peu la barbac, ça c'est un peu pas problématique plus loin, parce qu'il y a des loups. Où est votre cadavre? Y'a quoi, y'a une grotte là ou quoi? Ah non. Eh ben ça valait le coup, dis-moi. Non mais... ouais. On essaye d'avancer. Ouais, donc ça c'est le chemin qu'on a pris en fait au sens inverse pendant la tempête. C'est pour ça que quand je dis hein, les tempêtes c'est très très dangereux hein, parce que vous perdez complètement vos repères et tout. Et ça vous fout dans la merde en fait. Même si vous connaissez la zone, tout devient bah, identique. On va voir, normalement, je crois que en théorie, si on continue de longer, parce que maintenant je sais exactement où on est, on continue de longer donc, le côté gauche, donc c'est pas là. On devrait pouvoir trouver un abri, je crois que c'est une grotte, je crois. On trouve un abri et après on trouvera des cordes pour enchaîner. Et ces cordes-là devraient mener... proche de la mine.
Pas à la mine directement, mais proche de la mine. Et je crois que la mine, il lui faut une corde, par contre. Genre, il faut qu'on trouve une corde. Qu'on installe une corde. Ça encore, ça c'est une autre histoire. Mais en théorie, on n'est peut-être pas obligé d'aller vraiment encore au centre. On peut peut-être encore faire notre exploration direction mine directement. Parce que être pouvoir récupérer le sac en fait dès le début, honnêtement, ce serait nickel. Ce serait vraiment bien. Ah, c'est peut-être là le... Peut-être ça le chemin qu'il faut prendre. Ok, cerf. Oui, le cerf, oui. Le cerf qu'on avait vu. Nickel. Je crois qu'il y a une grotte pas loin. Alors déjà il y a ça, on va prendre ça. Après on ira là-bas et tout ça, il y a un village et tout, c'est super bien. C'est super bien le dessus là avec les ponts. Ah oh non, on va devoir passer les ponts. Les ponts ils tanguent et tout, c'est une catastrophe ce truc. Oh là là. Si vous avez le vertige, honnêtement, je pense que ça peut vous le déclencher. Rien que la vue de ces ponts quand vous êtes dessus. Quasiment certain que ça peut vous le déclencher le vertige. Je crois que c'est par là. Qu'est-ce qu'ils sont gros les machins? Très bizarre. Attendez, où est-ce qu'on est? Je crois que c'est là. Le problème, c'est la grotte ou l'abri. Je sais plus si c'est une grotte ou un truc comme ça. C'est un abri en tout cas. Donc je sais pas si je l'ai pas loupé. Faire attention qu'il n'y ait pas de l'eau. Il va falloir qu'on se mette à l'abri bientôt parce qu'on va avoir froid. Enfin, on a froid, mais... Ah, ok, il y en avait un en dessous. J'en ai vu un là-bas, mais... Je me suis dit, le bruit, il est tellement fort, qu'est-ce qui se passe? Ok, donc on a de la nourriture. Ouais. On est d'accord. Après, on a du charbon. On peut faire un feu qui dure très longtemps et qui est très chaud. Donc, en théorie, on peut rester à dehors. Puis, en plus, il y a une... Il y a eu une tempête juste avant. Donc... Ici, niveau tempête, honnêtement, ça se passe bien. C'est pas vraiment un endroit très problématique. Ah, il y a la corde. Ouais, je crois qu'il y a un abri, mais sur cette paroi-là, sur la paroi à ma gauche, là. Mais j'ai dû le louper. Ou alors, peut-être qu'il n'y a rien, en fait. Possible. Du coup, ouais, non, la corde, elle est grande. Il va falloir, se reposer. Alors, par contre, ce qui est bien, c'est qu'il y a plein... d'endroits où on peut se reposer. Ouais, non, on peut pas la prendre, la corde, là on n'est pas bon. Enfin, on peut prendre du café, hein, mais j'ai pas envie. Mais ouais, il y a plein d'endroits en fait pour protéger le feu.
Ouais, il y a plein d'endroits où on peut protéger le feu. Je crois que là, on peut camper là. Enfin, ouais, j'ai pas trop envie de camper là. Elle est pas très grande, la corde. On peut se débrouiller. Mais on va faire un feu ici. Ouais, là, on est bloqué du vent et tout ça. Ouais, c'est pas mal. On peut voir là. Si je fais un feu là... Ouais, on est bloqué. Ça marche. Normalement, il n'y a pas assez de lumière. Ouais, on est bon. Nickel. On va mettre quasiment tout le charbon dedans, honnêtement, pour faire un feu bien chaud, pour se réchauffer. On va peut-être essayer de chasser. Comme ça, on se remet nos calories au max. Comme ça, on ne tape pas dans les réserves. Alors, à mon époque, il fallait attendre au moins 30 minutes hein, avant de pouvoir mettre... le charbon. Eh oui, eh oui. Eh oui, mesdames et messieurs. Hop. Très bien. Et je crois qu'il y a des... parce qu'en fait, il y a au moins 2, voire 3 cordes à prendre, je crois. Et mais si je dis pas de bêtises, il y a des protections à chaque fois. Il y a des grottes et tout ça. Donc, ça va. Très bien. Très bien, très bien. Là, je crois qu'on n'a rien d'autre à cuire. On va manger ça. Attends. Hop, stop, 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 stop. On va en profiter. Le sac. Non, comme ça. Ah! Ouais, c'est bon. Ouais. On est tout le temps... En fait, faut regarder s'il y a le bouclier à chaque fois. On est tout le temps protégé du vent, honnêtement. Cet endroit est pas mal. Ouais. Non, cet endroit est pas mal. Minutes, ok. On a un peu le temps. Je vais finir l'eau, puis après on va aller voir si je peux pas chasser un truc là qui traîne. Très bien. Eau non potable 6 minutes, ok. Je vais pas manger le truc maintenant. Je vais juste attendre encore un peu. Ok, on va faire ça. Eau potable. Eau potable. Cuir. Enfin, on mange. Voilà. On est à... Alors, si on peut tuer un truc vite fait et récupérer au moins 2 steaks. Honnêtement, 2 steaks, c'est ce que je demande. Je demande pas plus, vraiment. Attendez, est-ce que là on voit pas grand chose? Ils sont partis où les machins?
Ça fait quoi comme bruit? Est-ce qu'on peut les attirer en imitant des bruits? Genre les bruits de femelles ou un truc comme ça. Est-ce que ça marche? Oh mon dieu. Il y en a deux. On va faire le gros là. Ah oh, putain, on va dans le sens inverse. Évidemment. Nickel. Voilà, très bien. Ah, c'est pratique hein, de chasser accroupi comme ça. Là. Ça change la vie hein, quand même. Hein. Pas dire, mais... Ça change la vie. De pouvoir se... s'approcher aussi près. Hein. Donc là, on est bien. Là, on va pouvoir passer la nuit tranquille. Tant que notre feu... Ce qui est important aussi, hein, pour ceux qui savent pas, hein, ce qui est important... C'est pas vous à vous protéger du froid, en fait. Du vent et tout ça. Et honnêtement, je pense que vous pouvez même dormir en plein vent. Ce qu'il faut protéger, surtout, c'est le feu. Tant que le feu vous réchauffe, ça veut dire qu'il va vous maintenir sec, il va vous maintenir au chaud, évidemment. Il va vous maintenir en vie, en fait, tout simplement. Donc c'est le feu qu'il faut protéger. C'est pas vous. C'est marrant hein, dans ce sens comme ça, mais ouais, il faut protéger le feu. Repotable. Et vous en foutez de vous. C'est le feu qui est important. Alors, très bien, 38 minutes. Tourne. On va reprendre deux steaks. On pourrait même prendre encore de la peau et tout ça, mais bon, pour le moment, ça va. Parce que... Ah, on a beaucoup, on a dans les 40 et quelques hein, à se trimballer à chaque fois, donc c'est un peu là. Ah, honnêtement, je sais même pas si on la monte, la corde, maintenant que j'y pense. Je suis même pas sûr qu'on la monte. Je sais pas si on est en dessous des 40 kilos. Ah, j'ai un doute. On va voir. Après, comme j'ai dit, on a de la nourriture qui pèse pas lourd. Donc ça, c'est vraiment la bonne chose. On va sortir l'arc. Bon. On est bon. On va se remettre full. On va se remettre plein de calories. On a récupéré un peu d'eau. Enfin, on a fait un peu d'eau. On n'a pas trop tapé, en fait, au final, dans les calories, hein, dans la nourriture. La nourriture humaine. J'ai envie de dire. Donc, ouais, ça c'est bien. Donc, on peut encore se permettre de se balader. Si on avait rien sur nous, honnêtement, je me serais mis genre dans la maison. Mais on a encore beaucoup. 300, 300, 350, 350, du 300 encore là. Ça c'est 600. Ouais, non, on est bien, on est bien. On est très bien. Donc, on peut encore se permettre de se balader. Ça, c'est fait. Ça, 40 minutes, très bien. On va manger.
Voilà. Nickel. On est à 37 minutes. On va garder l'arc à la main au cas où, mais normalement on est bon. Oh, moi, il n'y a pas de problème ici. Et après, on va dormir. Après ces deux steaks, on va dormir. Il fait froid, donc il va durer plus longtemps que 6 heures. Ouais. Je vais se prendre un charbon au cas où. 7 heures, très bien. Donc nous, on va se mettre... Genre là, on est bien. Du feu comme ça avec le bouclier tout ça et on se met dans le sac de couchage. J'ai bu, ouais. On va dormir 8 heures. Voilà, nickel. Brouillard. On a encore 3 heures de feu, c'est magnifique. On peut encore dormir, on n'est pas full. Encore dormir 2 heures. Peut-être que le brouillard va se lever, ça serait bien. J'ai rien dit. Alors. J'espère que je passe par le bon chemin en tout cas. Sinon on redescend. Alors ramasser ça. On a encore. Je vais prendre des torches. Ok. Quoi prendre? La peau honnêtement. Merde, c'est la carte. La peau, honnêtement, a pas besoin. Par contre, tout ce qui est bois, oui. Ça, il faut les ramener à la maison. Ok, d'accord. On est en surpoids, mais de pas beaucoup. Il y a l'eau. Les torches. Allez, on y va. Attendez. Ah, on est bon. J'ai pris mon sac. Hein. C'est un truc que je vérifie toujours deux fois. Ouais. On n'a pas récupéré beaucoup de vie par contre. Je crois qu'on était vraiment bas. Enfin, on avait. Ouais, j'en sais rien. Qu'est-ce que c'est bien, c'est vrai, d'avoir des crampons hein, comme ça, même improvisés. Mais j'espère que les crampons qu'on peut trouver là, de professionnels, sont même mieux. Hein. J'espère. J'espère qu'ils ont fait en sorte que les crampons vraiment de qualité soient mieux. Normalement, on rencontre rien. Là. Enfin, en théorie. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Voilà. Je sais que dans une des saisons, je me baladais comme ça, sur des hauteurs et tout ça, et il y avait un ours. Ah, oh, je crois que c'est ici en plus. Ok, ça c'est une autre corde. Alors. On va voir, il fait combien?
Moins 13. Et je dors maintenant. 13, 11. Ouais, non. Ok, go. On a des... On a du café. On va prendre du café. Hop là, let's go. Attrape la corde. Sans déconner. Attrape pas la corde, quoi, qu'est-ce qui t'arrive? Je me suis dit, putain, faut vraiment s'approcher, quoi. Là, elle se fatigue beaucoup plus. Je crois que c'est parce qu'on est en surpoids, du coup. Mais ça va. On est bon. Il y a un cadavre juste au-dessus. Bon, on a fait le plus dur. Oh là là, encore des bois. Aïe. Ah. On a une corde. Encore une corde. Oui, non, là, on va peut-être avoir un problème. Oh, so cold. Ok, attendez. Là, on risque d'avoir un problème. Pas extrêmement froid, mais... J'ai un problème. Ok. Ok, ça va. Fait moins froid en fait, donc ça va. Je veux pas me piquer à la piqûre là. Ça va un peu. On va faire encore une heure. Ça va. On va y arriver. Ok. On est à 47. Peut-être que ça se passe que je crois qu'on est humide. Non, même pas. C'est tous les bois à la con qu'on a trouvé en fait. Let's go. Too cold to think. Let's go. Alors là, ce qui se passe, c'est que vous entendez les corbeaux à gauche.
Alors à gauche, je crois que c'est la sortie de la mine, si je dis pas de bêtises. Nous, on va devoir passer par une autre entrée, parce qu'en fait, il n'y a pas de corde. Ah bah, on va y arriver. On va y arriver, vous inquiétez pas. Très bien. Voilà. Et là, on va être en surplomb au-dessus de la mine, si je dis pas de bêtises. Ah, on a pris cher, hein. Là, on prend cher. Hein. Là, entre notre vie qui descend, la fatigue et tout ça, c'est pas... Faut connaître, hein. Faut connaître, hein, parce que c'était dangereux aussi de faire... Là, on a eu un peu de chance, j'avoue. Genre de dormir une heure, voir si le temps se... En fait, fallait que je récupère de l'endurance. C'était ça, le truc. Fallait que je récupère de l'endurance le plus possible. Donc, c'est pour ça que je dormais, même s'il faisait froid. Alors, la mine, normalement, elle est là-bas. Ouais, c'est ça. Il faut descendre par là. Dire qu'on aurait pu tout simplement s'installer au centre. Et on aurait été tranquille. On aurait pu faire ça plus tard. Mais bon, au moins ça fait une aventure. Une aventure assez... assez haute, quoi. Alors, en théorie, je crois qu'il y a un endroit pour se cacher. Je crois que c'est là où on trouve la corde, en fait. Je me rappelle avoir trouvé la corde. Après, si on trouve pas la corde, bah... du coup, merde. Ah ! Parfait. Voilà. On a notre corde. Très bien. Attendez, il faut qu'on... Ok. Là, il fait froid, ça marche. On peut s'installer ici. Mais voilà, on est bon. On est bon, on est bon. C'est pour ça que je voulais partir préparer. Vous vous rappelez quand je disais, ouais, il faut qu'on se prépare et tout ça. Voilà, c'est une raison pourquoi on se préparer. Alors, on n'a pas de... on va pas pouvoir rester longtemps ici, en fait. On va dormir un peu, honnêtement, et après, on y va. Parce qu'à la limite, ce qu'on va faire, c'est... se mettre à l'abri dans la mine. Attendez, on va peut-être se réchauffer un peu plus avant. Je sais que pour placer les cordes, c'est un peu long. Une fois qu'on sera à la mine, je crois qu'il y a des... Ah, je sais plus s'il y a des bestioles à chasser ou pas. Peut-être des lapins ou des conneries comme ça. La mine, on va pas pouvoir y rester longtemps, hein, par contre. Donc on y va, et puis après on rentre. Prends tout ce qu'il y a à prendre, le sac et tout. Je me rappelle que j'étais passé plusieurs fois là-dedans, devant ça, là. Je savais pas qu'on pouvait mettre... Je sais même plus si on peut mettre une corde. Si c'est au truc directement ou c'est au rocher. Ah! Ouais, c'est ça, la corde ici. Très bien. Je vois rien qui bouge. Ah si, lapin. Lapin x2. Ah, il fait pas très froid. On va aller se reposer. Dans la grotte. On va aller se reposer. Il y a tellement de loups, ça arrête pas de hurler.
On va aller se reposer genre 2-3 heures. Le temps qu'on se remette bien et on va descendre. Tout simplement. Avec tout notre bordel là. Qu'est-ce qu'il est bien ce sac de couchage en peau d'ours. Ok. Alors... Attendez, fais voir un peu nos... Ouais, ça va. Nos calories sont bonnes. On a des lapins, je voudrais chasser les lapins, moi, surtout. Comme ça, on tape pas dans les ressources. Très bien. Faudra qu'on fasse des belles séances de nuit, hein, des belles nuits, hein, parce qu'il faut récupérer notre vie. Hein. Ah, on va dormir encore un peu. Ok. Ça va. Ça va. De toute façon, après, on peut dormir dans la mine. Par contre, je suis en train de me dire... Oui, non, mais les bois, en fait, faut qu'on se les strimballe sur nous. Parce que si je les mets là, on va pas revenir là, en fait. Enfin, quoi, en théorie, on peut. Ah. En théorie, ici, ça peut être pas... On va devoir redescendre. Ouais, non, on peut. Ah, il va falloir que je me les... Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup, si jamais... Après, on aura le sac. Je peux me les trimballer sur moi, les machins, non? Je sais pas en fait si je repasserai par là, c'est ça le problème. On est à combien là? 39. Et là on se trimballe tous les bois tout le temps. C'est un peu une catastrophe. Ah, vous savez quoi, je vais les laisser ici. De toute façon, je sais par où passer pour revenir. Enfin, je crois. Je suis en train de réfléchir, en fait. Ouais, on reviendra par là. Ouais. Je pense savoir comment faire. Ok, ouais, parce que ça fait quand même 5 kilos de... Là, je crois qu'on peut passer par là pour aller au centre, en fait. Donc nous, on va prendre la mine d'or, on va faire ça, et après on va revenir. Enfin, dans ma tête, c'est ce que je veux faire. Faut que je me le note. Revenir pour prendre les bois. Si je les oublie, je vais pleurer. Faut me le rappeler, hein. Si jamais j'ai oublié. Au prochain épisode. J'ai ma... Ça, quoi. On y va. Après qu'on sera en bas, on chassera les lapins. Après on campera donc dans la mine. Et puis voilà. Et si on a encore des cordes à prendre, on les prendra. Là on commence à être habitué. Ah, ça fait beaucoup de cordes. Et imaginez ça sans crampons quand même. Parce que nous, avant, quand cette zone était sortie, cette nouvelle région,
Les crampons, il n'y en avait qu'un seul, et c'était dans la mine. Donc vous imaginez même pas la difficulté de prendre les cordes, en fait, à l'époque. Maintenant, on peut crafter des crampons avec deux bouts de fer, là. Je sais pas comment on y arrive, mais bon. Mais voilà, quoi. C'était beaucoup plus difficile avant. Il y a encore des bois, là. C'est incroyable. Ouais, non, on peut pas descendre par là. Non, je crois qu'il faut... Oula, tombe pas. Faut remonter... Enfin, faut remonter. Faut revenir en haut, en fait. Pour ça que c'est bien d'être équipé, parce qu'on a la corde... On a la lampe, c'est ça que je voulais dire. Genre, on a la lampe, on n'a pas besoin de... d'allumer des torches, rien. Là, on peut récupérer du bois. Camp de mineurs. Après, je vais être honnête, je crois pas qu'il y ait grand chose. Genre, ici, c'est pas vraiment l'endroit où vous restez. En tout cas, pas longtemps. Là, on a des lapins, on les fera. Mais... Enfin, on les fera, et encore, je suis pas sûr. Vers la mine. Mine d'or. Elle est belle, la mine d'or. Hein. On n'a pas trop de carburant. Pas des masses de fuel. Hein. Ouh, nickel, c'est bon, on a du fuel. J'ai rien dit, on a du fuel. Très bien. Oh là là. Ça va, pas mal. Pas mal, pas mal. Ah, c'est de l'eau, ça. Alors, ce que vous voulez faire... enlever ça, ça et ça. Parce que si je me rappelle bien, ça c'est de l'eau froide. C'est de l'eau froide. Si vous pataugez dedans, ça va mouiller en fait votre équipement et le geler au bout d'un moment. Si vous restez au froid. Donc vous pouvez faire ça en fait. Enlever vos bottes et tout ça et vous passez à pieds nus. Ce qui a aucun sens. Hein. Ça a aucun sens. Par contre, je suis à combien là? 44 kilos. Je prends tout ce qu'il y a, mais c'est pas vraiment la bonne chose à faire en fait. Bon, après, je suis tranquille, on a du. On a du fuel donc. On peut rester même un peu plus longtemps dans la grotte ou alors marcher très lentement, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas vraiment de grotte. Après, bon, de toute façon, on a des allumettes hein, ici. On a des allumettes, on a des torches. Je sais pas si on a une fusée par contre, je crois pas qu'on ait de fusée.
Ouais, par contre, je voudrais bien trouver le sac. Je sais même plus où il est, le sac. Donc, il est à la fin de la mine. Je pensais qu'il était au début. Ah, ça y est, il est là. Tada. Il est bien, cet endroit. Vous voyez? Sac à dos technique. Donc, on est, regardez, 44, 39 maximum. Ça se passe qu'on est fatigué. Hop là. Un sac à dos robuste avec toutes les options. Il vous permet de transporter davantage de matériel avant d'être en surcharge. Lire texte? C'est quoi ça? D'accord. Voilà. Capacité de transport augmentée. Sac à dos technique équipé. Voilà. Et maintenant, vous entendez, le bruit, c'est pas le même. Quand on va dans l'inventaire. Alors, j'ai bien fait de prendre mon meilleur sac à dos. J'ai eu quelques douleurs de poitrine après les hautes chutes, mais après la dernière opération, ça m'a semblé normal. Je vais me réfugier ici jusqu'à ce que la tempête soit passée. Demain, je vais au sommet de la gueule du loup et je rentre à la maison. Ça, ça... Ça... Les crampons. Vos pieds vont... Adhérez, vous consommez moins d'endurance lorsque vous montez à la corde, les entorses sont moins fréquentes et vous courez moins de risques sur la glace fragile. Il n'y a rien, ça va être la sortie. Ok, alors on peut dormir ici. Désolé que ça soit dans le noir, mais on va devoir mettre fin à notre petit épisode. Ouais. Il va falloir de l'eau. On va faire ça. Et il va potentiellement nous falloir de l'eau. Qu'est-ce... Putain, je vois plus rien. Fais chier. J'aurais pas dû... Ah. Baril enflammé. Si je fais... .030. Ok, ça marche. Pas de petit bois en fait. Ça c'est embêtant ça. Ça c'est embêtant. Un livre pour dépecer nos proies. On s'en fout un peu. Parce que là on a les lapins que je voudrais faire. Ah oui, on a nos nouveaux crampons du coup. Pourquoi tu veux pas me mettre les crampons improvisés? Crampons normaux. Réparer. Ah, ils sont abîmés. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais ils apparaissent pas, là. Ah, c'est là qu'il faut les mettre, ceux-là? .50, .75. D'accord, ils sont plus légers. Du coup, je mets le sac là en fait. C'est marrant, il y en a. Ouais, c'est bizarre. Je sais pas, c'est étrange. Mais ouais, les crampons du coup sont. Ceux-là sont plus légers, mais sinon après c'est la même chose. Mais non, mais il y a une erreur en fait. Il y a un bug. Vous voyez, parce que les crampons ils sont d'un côté, puis après ils sont de l'autre. Vous avez vu? Il y a un bug en fait entre les crampons, le changement de... Ouais non, il y a un bug. Ouais, 0,75 et 0,50. Là ça augmente la protection au moins. Donc les crampons système D, on peut les virer.
toute façon, on peut toujours les faire quand on veut. Je crois bien. On peut improviser. Bref. Si on faisait du feu. Si je fais ça, c'est 100%. On brûle le livre. Dépecez vos proies. On va être à 100% de toute façon. Au moins qu'ils servent le livre. Vu qu'on va pas le lire. Après, c'est un livre. Ça m'embête de... On m'embête de brûler un livre quand même. Faire ça. Ça m'embête un peu de brûler un livre, j'avoue. Ah. Voilà. Alors là, on a un établi. On peut rien faire parce qu'on n'a rien à faire. C'est embêtant que ça illumine que dalle, hein. C'est ouf hein, quand même, c'est incroyable. Et si vous faites ça, ah là, oh lumière, c'est fou ça. Hein. Très mal fait, la luminosité dans ce jeu, elle est catastrophique, hein. Faut être honnête, elle est catastrophique. Ça, c'est un truc que je déteste dans le jeu. C'est vraiment un truc que je déteste. J'aimerais tellement qu'ils prennent, genre même qu'ils fassent plus de mise à jour pendant un moment, genre même un an, mais qu'ils refassent toute la luminosité du jeu. Parce qu'elle est horrible. Elle est horrible. Bref, parce que là je suis en train de perdre un peu de temps et je vous prends trop de temps parce qu'on va devoir arrêter l'épisode. On va découper les steaks. Je vois un peu les calories. Oui, non, ça va. Très bien, 1 kg chacun, c'est nickel. J'aime pas faire comme ça, c'est chiant. Alors. 27 minutes. 3 minutes. 2 minutes. C'est bien parce qu'ils étaient un peu gros les lapins là. 1 kg, plus d'un kilo à chaque fois. Voilà, après dans 1 minute, très bien. On va faire aussi de l'eau. Ah oui, il y a un truc qu'on peut faire, c'est tirer quelques. L'appel cuit, très bien. Dans 1 minute. Très bien. Ah, c'était une sacrée aventure hein, quand même. Hein. On va pas le cacher. Hein. C'était quand même une sacrée aventure. Voilà, j'avoue que... Et allez, voilà. Après, ça me fait un peu peur si on est encore à 45 kg à peu près. Pour peut-être devoir déposer des choses. Si on refait le tour, on va encore reprendre une corde. Bon, ça va mieux se passer, mais... Enfin, quoique, tant qu'on n'est pas en surpoids, ça passe. Dans 10 minutes. Là, on peut le faire à la main ou pas. Là, ça commence à aller un peu plus vite à la main. Quand on sera niveau 5, ça sera mieux. On pourra faire plein de choses à la main. Comme ça, on n'utilisera pas notre couteau. On pourrait casser la caisse aussi pour plus de bois. Voilà, nickel, 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 nickel.
neige fondue dans 2 minutes. On va regarder un peu l'inventaire vite fait, puisque ça sera la fin de notre épisode. Donc. Nos calories, ça va. Ça va, on peut tenir encore un bon moment. Surtout qu'on a encore tout ça. Donc c'est très très bien. On a des trucs qui sont très légers. Et de calories. On a plein de café à faire, c'est bien. Peut-être prendre ça parce que ça fait de l'eau. Ah, on est... Là, j'ai un peu trop bu. On verra ça plus tard. Nos vêtements. Donc on a des trucs comme ça, je pense. Enfin, ça pèse pas lourd, on peut les ramener. Parce que j'aime bien ramener en fait tout ce qui est disponible. Mais il y a plein de choses qu'on n'a pas besoin, franchement. Mais vu que là, en fait, c'est un peu une saison spéciale avec des rajouts de mise à jour et tout ça. On sait pas en fait ce qu'ils vont rajouter dans le jeu, dans un sens. Donc imaginez qu'ils disent qu'il vous faut des vêtements et puis ça fait quelque chose d'autre. Enfin voilà quoi. Vous avez aussi le logo, il est différent du sac. Donc on a encore ça. Ah mais oui, mais on est très lourd parce que voilà, oui, ça a du sens. Notre table. Alors je voudrais faire aussi, avant qu'on parte, donc un thé de chaque. Enfin un thé des deux là, pas celui-là. Quoique on pourrait en fait. On pourrait aussi, comme ça on a un de chaque. Ouais. Alors, on peut... parce que c'est bien en fait d'en avoir un ou deux de chaque, enfin quelques thés, parce que comme ça on les réchauffe. Très bien. Après le reste on n'a pas besoin. On les réchauffe et comme ça ça nous donne ce bonus de chaleur là. C'est toujours ça, c'est vraiment pour ça hein, qu'on l'utilise surtout. Ok, très bien. Encore une tempête. Voilà. Ça c'est bon. On peut taper dans 8 minutes, très bien. On a encore 30 minutes de feu. Ça sert à rien vraiment de garder le feu allumé. Hein. Surtout que là, comme vous avez vu, vous avez remarqué que ce feu-là, il reste pas longtemps en fait. Quand ils disent 3 heures, c'est 3 heures. Ça, c'est parce qu'on est en intérieur et il fait chaud à l'intérieur. Donc du coup... du coup, on gagne pas de temps. Ça, c'est un peu embêtant. Déposer ça. Ok, nickel. Ouais, on sera à 45 kilos, ça va en fait. Là, on est bon. Les vêtements, on peut, c'est 0,10, ça va, on peut le prendre avec nous. On a déposé les autres crampons. La nourriture, il n'y a rien qui pèse très lourd. Donc ça, c'est nickel. Bon, là, on commence à peser un peu lourd entre le livre... tout ce bordel. On a aussi du kérosène que je voudrais bien récupérer. On a des torches qu'on peut jeter. Ah tiens, on a trouvé une torche en plus qui était à 100% sûrement. Ou 95. Pas mal. On a encore des bois. Les bois par contre, je vais les garder sur moi parce qu'il fait très noir et je vais sûrement pas y penser à les reprendre. On a des boyaux, les boyaux je vais peut-être les jeter, honnêtement. Il y a quoi ? Eau potable dans 12 minutes. Pas besoin. Je préfère faire ça. Il y a aussi aiguiser les armes, je crois bien qu'il y a une meule, je sais plus exactement où. Je crois que c'est où il y a les loups gris. Si je dis pas de bêtises, on peut aller aiguiser nos haches, nos couteaux, tout ça. Là. Bon ben voilà, on est nickel.
On est nickel, on est nickel. Est-ce qu'on aurait, je sais pas, genre à coudre peut-être. C'est vrai que nos vêtements sont un peu abîmés. Pas mal. Ouais, le reste on est bon. Ouais. On a assez d'eau ou pas? 2 litres 20, ça va. On est remonté à 42 kilos à peu près. Oui, c'est parce qu'on a pris les trucs, ça va. Bon, mais on est bon. Désolé, je mets un peu de temps. Là sur la fin, j'ai mis un peu de temps. Avant de... de me décider, mais on est bon. On va dormir le plus possible. On va dormir une dizaine d'heures. Histoire de se soigner et... ouais. Et histoire de bien dormir. Et la prochaine fois, on rentre et on essaye de s'installer au centre de... de cet endroit. Et après, on fera des aventures. On se baladera un peu autour. Mais peut-être que je ferai des ellipses après, hein, bien sûr. Parce que si c'est pour tourner autour de la zone pendant 4 ans, ça sert à rien. Mais ouais, on va pouvoir faire ça. À la prochaine. Portez-vous bien et ciao.